Lafarge s'est associé au constructeur Cécile Robin pour créer une maison individuelle accessible, belle, citoyenne et facilement duplicable. Positive, la maison ABCD+ répond dès aujourd'hui aux exigences de la RT 2020. Alliant techniques traditionnelles et matériaux innovants comme le bloc béton en pierre ponce, cette maison située au cœur d'une ville de taille moyenne offre aux primo-accédants une alternative au logement collectif. Avec un coût de 1370 euros le mètre carré, contre environ 1800 pour une maison BEPOS standard, la maison ABCD+ est économique à l'achat et à l'usage. Elle est dotée d'équipements économes, poêle à bois, chauffe-eau thermodynamique et ventilation simple flux. 24 mètres carrés de panneaux solaires en font une maison à énergie positive qui contribuera à alimenter une voiture électrique. Esthétique et confortable, la maison ABCD+ repose sur une conception bioclimatique optimisée. En son centre, un patio couvert de 20 mètres carrés éclaire les pièces de vie. Il fonctionne comme une serre bioclimatique. En hiver, le soleil chauffe la verrière. L'air est ainsi préchauffé avant d'entrer dans le logement. En été, la verrière s'ouvre pour évacuer l'air chaud et créer une ventilation traversante naturelle. Chaque élément de la maison ABCD+ a été pensé pour anticiper la RT 2020. Dans le patio et devant le garage, les dalles de béton hydromédia drainent naturellement les eaux de surface et luttent efficacement contre l'imperméabilisation des sols. La toiture végétalisée, nouvel espace vert dans la ville, limite les îlots de chaleur urbains. Compacte et organisée autour de son patio central, cette maison préserve l'intimité de ses occupants dans un contexte de densité urbaine. Alors le projet de la ville de Tarare actuellement, c'est vraiment de réfléchir à reconstruire la ville sur la ville. C'est de lutter au maximum contre l'expansion urbaine. C'est véritablement d'essayer de trouver des solutions aussi pour refaire vivre son centre-ville. Les avantages de cette maison sont multiples. Vous avez déjà économiquement une maison hyper performante aux normes de 2020 avec une densification qui nous permet de répondre aux exigences de la ville, de répondre aux exigences du primo-accédant en termes de coûts. C'est une nouvelle forme d'habiter puisqu'on est dans la maison à la fois dans l'habitat individuel et dans un habitat quasiment regroupé sur des petits ensembles qui peuvent accueillir deux ou trois habitations sur un tènement qui aurait finalement traditionnellement pu accueillir seulement une maison. La maison patio, elle répond à ces problématiques-là. Construite avec des matériaux et des techniques traditionnelles et maîtrisées, la maison ABCD+ est facilement duplicable. Le bloc béton en pierre ponce procure une isolation naturelle et durable. La principale innovation réside sur l'utilisation du bloc pierre ponce, qui est une vraie révolution en termes de résistance thermique sur la maçonnerie, sans être une révolution pour les artisans maçons qui posent ce matériau tous les jours. Le système constructif atteint d'excellentes performances thermiques tant au niveau du plancher du haut que du mur, qui combine un bloc béton en pierre ponce et un complexe de doublage ultra performant. Les ponts thermiques sont réduits au minimum grâce à l'association d'une planelle isolante en pierre ponce et d'une chape flottante. L'isolation du toit est assurée par de la laine de verre soufflée. Globalement, la maison produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Accessible, belle, citoyenne et duplicable, la première maison à énergie positive ABCD+ sera inaugurée au printemps 2012. Les défis urbanistiques de demain ont déjà trouvé une réponse.